petit message important, il y a plus de 90% des gens qui regardent mes vidéos mais qui sont toujours pas abonnés. Je te conseille vivement de le faire pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Le message est fini, bon visionnage. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va tester un tout nouveau ballon. C'est un peu le ballon que tout le monde rêve. Faire des enroulés de malade comme Roberto Carlos pour ceux qui connaissent. Sauf que là, t'es pas obligé de taper Roberto Carlos pour y arriver. C'est un ballon exprès pour faire des énormes enroulés, extérieur, intérieur. Et moi, aujourd'hui, je suis là pour l'essayer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au début, on va se chauffer avec des petites frappes, avec un ballon normal. Et ensuite, on va le comparer avec un ballon qui fait des effets de ouf. Ce que je vous propose, c'est qu'on lance le jingle. C'est crampon beau gosse. Waouh! Bon, je suis assez échauffé, on va prendre le ballon traditionnel, rond, sans effet. Bon, tu peux quand même en faire, mais bon, il faut avoir un sacré niveau comme le mien pour en faire. Ok. Tu peux quand même en faire, mais bon, il faut avoir un sacré niveau comme le mien pour en faire. Oh hey. Ça va. C'est pas de la Lulu, oh, mais c'est une transversale qui rentre assez vite, donc ça va. Petite barre, first try sur les petites cages tout au fond. Regarde, hein. Bon, je crois qu'on va arrêter là. Ah, une dernière, tu me laisses une dernière chance? Vas-y. Sinon, il se passe quoi si tu le mets pas? Je t'autorise à me tirer sur le cul après. Ok. J'accepte. J'ai tout à y gagner, donc oui, j'accepte. Si je rate au bout des deux essais qui suivent, Bastien, il a le droit de me tirer le ballon dans le cul. J'ai confiance en toi, mais j'espère que tu le rates. Bah, j'ai quand même perdu, mais je vais quand même le mettre. Du coup, je vais le mettre, mais je vais me faire fusiller après. Pas grave. Oh, mais il y a trop de vent. Ouais, c'est ça, ouais. Le vent, il part à droite, hein. Comment le ballon part à gauche? Elle était hyper proche par contre. C'était pas loin, ouais. Quoi? Mais non! Elle est belle. Oui! Pas assez fort, je pense. Wow. Je pense que c'est parce que c'est pas les vrais cages, moi. Est-ce que tu remets en jeu ton titre si je mets sur les vrais cages? Absolument pas. Putain! J'ai aucune raison de remettre en jeu mon titre. Et pourquoi je tire toujours à gauche? J'en sais rien, j'ai aucune idée, mec. En fait, c'était pas une question à laquelle tu devais répondre. Ah, qu'est-ce qui se passe quand on pose une question, normalement? On y répond. Mais non, regarde, quand j'avais des contrôles de maths, les questions, j'y répondais pas, hein. Ouais, bah toi, t'es spécial. Bon, on va pas rester là pendant 8 heures. Et en vrai, la terre, elle est hyper molle. C'est la faute du terrain, c'est ça. Quelle précision. Même à 2 mètres, il a cadré pas. Est-ce que je peux dire tous les points qui fait que j'y arrive pas? Vas-y. Le vent. Non. La terre molle. Non. Mes chaussures. Non. J'ai oublié mes chaussettes. Le ballon il est sale. Et les cages sont petites. Non, alors. Je pense honnêtement, hein. Quoi? Juste c'est pas du mal, quoi. Ah, je suis nul? Pas forcément nul, après la barre est un peu loin. Je suis nul à chier? Mais t'es pas forcément très bon, quoi. Ouais. Tu sais ce que je fais quand les gens me disent que je suis nul? Vas-y. Je mets une barre transversale. Vas-y. J'ai raté la barre. Du coup, Bastien, il se prépare à me fumer le cul. Je vais donner la cam à Oriane. Allez, go. Ah oui, t'as combien d'essais? Jusqu'à que tu me touches? Oh putain. Laisse la tête. Bon, c'est un peu écarté du sujet de base. Le sujet principal, c'était quand même d'essayer ce ballon qui fait des effets de fou. C'est ce qu'on va faire. Déjà, le ballon, il est hyper léger et il a un petit revêtement en velours. C'est adéquat pour l'utiliser comme coussin. Mais nous, ce qu'on va essayer, c'est faire des enroulés de fou. C'est parti. Place aux frappes. J'ai hâte de tirer. Ça fait 6 jours que j'attends de faire la première frappe. Let's go. Vas-y. Wow, mec. Ouais. Aïe, attends, c'est le poids d'un popcorn, le truc. T'as vu comment il est parti? Ouais, il est parti bien haut. Ah, je vais aller le chercher. À vous, t'as à peine touché, ouais, le ballon que tu l'as déjà fait ça, quoi. Putain. Bon, au pire, ça le fait courir un petit peu. Oh, il s'envole trop. C'est le principe du ballon. Mais le ballon, c'est une plume. C'est bon, il est essoufflé. Mais c'est abusé, hein. Oh mec, c'est un truc de fou, hein. Un petit pont. Non, s'il te plaît.
Qu'est-ce qu'il y a? Il est dehors! Encore? Oui. En fait, de base, quand je tire avec un ballon classique, j'ai l'habitude de tirer dessous pour que la balle s'enroule et se lève. Mais le ballon est tellement léger que dès que je fais ça, bah, il part à perpète, quoi. Donc il faut que limite, je le prenne plat du pied, en fait. What? Mec, c'est abusé! Oh, elle était dehors, celle-là, elle est rentrée, hein. Je vais essayer lucarne opposée cette fois-ci. Yeah. En vrai, c'était limite une erreur de commencer par le ballon hyper lourd parce que j'ai pris du temps à m'habituer. Là, en vrai, je commence à m'habituer. Bah, en vrai, je dis ça, mais tant dans cet essai-là, je vais tirer à Bubblehead, donc bon. Ouais. Là, en vrai, je commence à m'habituer. Bien. C'est pas mal celle-là. Ouais. Oh, je tire à droite, il part à gauche. Maintenant, on va passer aux extérieurs. Pour tous ceux qui suivent la chaîne, vous savez que je suis une bille aux extérieurs. Mais peut-être avec ça, ça va changer. Et les extérieurs, c'est de ce sens. Let's go. What? Elle est rentrée. Elle est sortie du terrain, elle est rentrée, oh. En plus là tu peux abuser, t'as le vent avec toi. Le vent il est du bon côté là pour toi. Ouais, en plus. Abuse vraiment du bail. Vas-y. Non alors. Non, non, non. Ah ouais, ouais. C'est un peu trop. Tu m'as pas pu la voir dans le cadre tellement que c'est parti. Allez, vade. Bon, maintenant, comme j'ai pas de bonhomme d'entraînement comme ça, là, comme des piquets. D'accord. Il y a Oriane qui va prendre ce rôle. Tu es d'accord? Non, je suis pas d'accord. Non. C'est pas grave. Du coup, elle va se mettre en place et la balle, elle va. Fiouf, elle va s'enrouler autour. Au moins, on va bien voir l'effet. Je dois pas bouger. Non? Donc, si je me prends, je bouge pas quand même, quoi. Yeah, bah, t'esquives quand même, hein. Allez, vas-y, on se met en place. Alors. Ça rentre, hein. Ça rentre, c'est pas mal. Oui, c'est sympa. J'arrive pas à tenir une frappe régulière, c'est horrible. À chaque fois que je tire, le ballon il part soit à perpète, soit il part bien, soit il y a trop d'effets et du coup son allure elle s'arrête. C'est compliqué. Alors qu'avec un ballon classique, généralement c'est le tireur qui dit ce qu'il veut faire. Là c'est limite le ballon qui guide. Bon, je dis pas que je suis un pro non plus, mais vous m'avez compris. Bon, maintenant les gars, ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre au point de corner et je vais tirer et je vais essayer de le mettre dans les cages. Normalement ça devrait le faire vu les enroulés qu'il fait. Pas mal, pas mal. Oh, t'as vu l'effet? Le truc il est parti à 6 mètres, il est revenu. Bon ben voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai tout donné pour vous donner le maximum de frappes potables. Le ballon est hyper dur à gérer. Les balles sont trop aléatoires, c'est horrible. Mais bon, en vrai on s'est bien amusé. Je vous avoue que tout le monde se gèle parce que le vent, il est horrible. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a 90% des gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Les gars, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et le petit like, ça encourage de fou la chaîne. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était le producteur de les boulets.